Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Faites pas attention à la tête du matin. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est journée Sandra, ravalement de façade. Je vais faire ma couleur, mes ongles, mes pédicures, etc., etc. Enfin, je prends soin de moi. Je suis réveillée depuis un moment, mais j'ai tout de suite monté la vidéo, répondu à vos coms. J'ai travaillé aussi sur un petit projet que je devais finir pour le mariage de ma belle-sœur. Et là, du coup, je vais déjeuner, boire un café. Et ensuite, je vais à la salle de bain. Je vais commencer par ma couleur tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Et puis le temps qu'elle pose, je ferai les petites routines que j'ai à faire le matin, vider la vaisselle, plier le linge, etc., etc. Faire les lits et tout. Et puis après-demain, je m'occuperai sûrement de mes ongles de pied avant de faire ceux de mes mains. Je vais finir par ceux de mes mains. Aujourd'hui, on a un petit temps gris. Ouais. Mais du coup, il fait un petit peu plus frais qu'hier. Je pense qu'il nous annonce des orages pour aujourd'hui. Alors je préfère que ça tombe aujourd'hui que demain, hein. J'espère que demain on aura un temps à peu près correct qu'en fait. On ne demande pas des grosses chaleurs, hein, mais au moins qu'il pleut pas qu'en fait. Bon allez, on déjeune, petit café, et puis ensuite on va attaquer sa couleur. Alors j'espère que la couleur se rapprochera le plus possible du truc que j'ai acheté pour mon chignon. Autrement bah, je devrais aller... cet après-midi rechercher une autre couleur. Mais je pense que ça devrait le faire, je pense. Voilà. On va croiser les doigts. Couleur posée. On va la laisser correctement posée. Mais bon, avec la chaleur, à mon avis, elle devrait vite prendre. Je suis en train de m'occuper du linge, là. Hop. Alors, c'est cannelle que je fais. Je vous montrerai la boîte après. C'est une couleur... Ouh, j'en ai mis ici. Par contre, ce qui est casse-pied... Alors, j'ai voulu la faire à la dernière minute parce que moi, avec le soleil, elle a tendance à virer. C'est un petit peu... Auburn, comme Greg dit. Mais je pense que c'est ça, c'est Auburn qu'on dit. C'est un peu Auburn. Auburn, je vais y arriver. Un peu roux en fait. Vous voyez, avec couleur cannelle, un peu marron, glacé, qui tire un petit peu sur le roux. C'est une couleur que j'aime bien à chaque fois faire en automne. Alors moi, c'est un ton sur ton, donc au bout de quelques shampoings, ça s'en va. C'est pour ça que je voulais la faire à la dernière minute. Et souvent, moi, mes cheveux, avec le soleil, ça vire quoi, en fait. La couleur, elle reste pas, ils s'éclaircissent beaucoup. Donc voilà, j'ai voulu attendre. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on attend la dernière minute, on a les marques. Donc j'espère que je vais quand même savoir bien les avoir. Vous voyez les marques de... Voilà, de maquillage. Enfin, de colo sur la peau, sur les oreilles. Alors, j'ai essayé de faire attention, mais je vois que j'en ai quand même un petit peu. Mais bon, j'essaierai de... J'avais déjà essayé de faire... Ils disent de mettre de la crème... du démaquillant ou de la crème hydratante pour éviter que ça prend la peau. Mais, enfin, chez moi, ça fonctionne pas, quoi, en fait. J'ai rincé. Alors là, on voit pas trop. Parce qu'ils sont encore mouillés. Mais... Voilà, on verra. On verra quand ils seront secs. Alors moi, je n'avais pas séché au sèche-cheveux parce que, autrement, ils deviennent... Enfin, j'ai pas des belles boucles, quoi, en fait. Bon, là, en soi, je m'en fous un peu parce qu'ils vont être attachés. Mais voilà, je voudrais pas qu'ils prennent trop un mauvais pli. Donc, je vais les laisser sécher comme ça, un petit peu en arrière, puisqu'ils vont être attachés, mais je voudrais attacher sans trop plaquer. Donc voilà, on va laisser sécher comme ça, puis on verra ce que ça donne après. On testera avec la moumoute. Je vais aller ranger mon linge, et puis... Quoique non, je le ferai après. Je le ferai après, je vais d'abord voilà, finir. Je vais enlever mon vernis, mes pieds, et puis remettre du vernis, comme ça, ça sera fait. J'hésitais en couleur, mais je pense que je vais mettre... En fait, je vais mettre du bleu... sur mes ongles. Enfin, je vais mettre du bleu. Je vais faire un truc à base de bleu sur mes ongles. Donc je pense que je vais mettre aussi du bleu sur mes pieds. Ouais. Bon, même si c'est plus trop la mode de mettre les mêmes couleurs aux pieds et aux mains. C'est plus trop la mode de faire suivre. Mais moi, je suis de l'ancienne génération. Donc voilà. C'est plus trop la mode aussi de faire suivre son sac à main avec ses chaussures. Maintenant, ça doit être contraste et tout. Mais moi, j'aime bien que tout fit, tout va ensemble, tout soit... Voilà. Comme je vous dis, je suis de l'ancienne génération. Je laisse ça aux plus jeunes. Alors, voilà la couleur. Elle est un tout petit peu plus foncée
que ma potiche. Donc je pense que je vais essayer de faire dégorger un peu mes cheveux. Je vais les laver ce soir et je vais les relaver demain matin et je pense que ça devrait aller. Bon, après les racines, ça sont toujours plus foncées que les mèches, on va dire, donc que les pointes. Donc ça choque pas, hein, mais ça se voit un tout petit peu. J'ai fait mes ongles de pied. J'ai commencé mes ongles demain, il faut que je finisse. Mais la Grecque vient de rentrer, j'avais pas vu l'heure, donc on va manger et puis je finirai après. Du coup, ce midi, c'est pâte aux fruits de mer. Donc les enfants ont fait cuire les pâtes. Les fruits de mer, je les ai juste fait revenir dans du beurre avec de l'ail. Je vais rajouter du persil. Je vais faire bouillir avec un tout petit peu de vin blanc. Et puis on va mélanger ça avec, avec les pâtes et sel, poivre et voilà. Je vous montre du coup, bon, ça ressemble pas à grand chose, hein, c'est juste des pâtes avec des fruits de mer. C'est des fruits de mer surgelés. Ça va vite, c'est pratique et c'est pas mauvais. J'ai fait mes ongles, donc du coup, bleu et blanc comme ma tenue. Donc j'ai fait un ongle bleu paillette, un ongle French bleu avec une ligne blanche, deux ongles French blanche avec une ligne bleue. Et ici, sur le doigt là, je sais pas si vous allez voir, j'ai rajouté des petits cœurs avec des paillettes. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas, c'est plus galère de faire l'autre main, mais ça va, je me suis bien débrouillée quand même. Donc voilà. Alors, je sais pas combien de temps je vais tenir, mais pour aller avec ma tenue, ça va aller. Le bleu, en fait, c'est pas une couleur que je mets très souvent. Enfin là c'est un bleu marine. Et pour mes ongles de pied, j'ai pas cherché, j'ai mis que du bleu marine, sauf l'ongle du pouce en fait. J'ai mis un petit peu de paillettes sur le dessus comme celui-là. Là en fait je fais sur mes vrais ongles, c'est pas mes... j'ai pas mis de... il y en a qu'un qui était cassé, que je vous avais montré, qui était cassé, que du coup j'ai dû refaire un rajout, celui-là. Mais autrement c'est tout, tous mes ongles. À la force ils poussent, donc c'est cool, ça les fortifie en fait. Et bon allez, je vais peut-être aller m'habiller, ça serait bien. Et on va voir avec Greg ce qu'on fait. Et un coup de chaud, je viens de repasser ma robe parce qu'elle a tendance à chiffonner. Alors c'est du crêpe, mais enfin, du gaz de coton je pense qu'on appelle. Mais je trouve que quand on lave ça se resserre et du coup j'aime bien donner juste un petit coup de vapeur en fait dessus. C'est pas vraiment à la repasser, hein, mais du coup je me suis pris une bouffée de vapeur, j'ai chaud. J'ai posé mon café quelque part, je sais pas où. Il est là. On va pouvoir y aller. Greg est en déplacement la semaine prochaine. Il vient à peine de reprendre en déplacement. Donc on va aller lui chercher aussi de quoi faire des sandwichs aussi. Parce qu'il est en déplacement lundi, mardi. Souvent quand il essaie comme ça, il prend... il aime pas aller manger comme ça à l'extérieur tout seul. Ou voilà, il prend de quoi manger et puis... Lundi, mardi et peut-être mercredi. T'as une trace noire sur ta jambe, chérie. Je sais pas ce que t'as fait. Ouh, allez. Bon, en tout cas, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai même fait mes sourcils et tout. J'ai fait mes ongles. Je me suis épilée. Donc c'est cool. Demain, j'aurai juste... c'est juste mes cheveux. Je me demande si... ça fait un peu plus clair quand même. Ils sont un peu plus foncés là. Donc peut-être que je vais regarder pour avoir une autre couleur au cas où, mais je sais pas si je pourrais faire couleur sur couleur en fait. Ou en essayant de les laver plusieurs fois, mais... bon après ça ira, hein, mais je pense, hein, c'est peut-être moi aussi qui... mais en plus des derrière je vois pas très bien en fait. Bon, on verra. Allez. On y va. Du coup, on va aller faire 2-3 petites courses. En même temps, on va prendre de quoi faire des sandwichs demain midi. Parce que je pense que ça va être la course. Et puis voilà, ce sera plus simple. On a rendez-vous à 2h30 chez les parents à Greg. Donc du coup, ça. Et puis, il me manquait 2-3 petits trucs. On risque de tomber à court quoi, en fait, ce week-end. Comme là, il me reste 3 rouleaux de PQ. J'ai pas envie de tomber à court. Donc du coup, on va en racheter. Allez. T'es bon, chérie? Pire qu'une gonzesse.
On est rentré. Du coup, on a été à Auchan. On a été à Auchan parce qu'il fallait 2-3 trucs comme de l'huile de saumon et tout qu'on trouve que là. Enfin, ils en font à Famille Flora, mais j'en ai jamais vu à Leclerc. Les rayons, encore une fois, je sais pas. Mais le Auchan où on va, chaque fois, je sais pas si c'est tous les Auchan, hein, mais à chaque fois, les rayons. Là, on voulait du déo. D'habitude, je prends le Dove original. Ben, il n'y avait plus rien dans le rayon. Bref, on a refait le plein de glace parce qu'on en avait plus. Des cornets, en fait, il y avait la marque extrême de Nestlé qui était en promo, donc on en a pris. On a pris sorbet fruits rouges, sorbet citron framboise et menthe chocolat. Ça, c'est pour Angel. Il y avait une promo, c'était 3 paquets, 2 c'était ouais, 2 acheter un gratuit. Pour ce soir, en plus des pour avec le barbecue, je suis en communication avec Kim, donc si vous l'entendez derrière, c'est parce qu'elle râle derrière. On a pris ça pour aller avec le barbecue. Et j'ai pris des poivrons grillés, comme ça je vais les faire cuire à l'air fryer. Et puis ensuite on va les manger en salade avec de la feta. Hop, j'ai repris mon eau, mon épars. Youp. Et j'ai pris aussi du papier de boîte. Je vous avais dit que je risquais de tomber à court. On a pris une baguette pour ce soir aussi à l'emmental. On a repris du rosé. Ça fait un moment qu'on n'avait pas acheté. On avait épuisé notre stock. On s'est laissé tenter par Fleur de Prairie. On a bien aimé la bouteille en fait. On l'a jamais goûté. Et Greg, pareil, un autre. C'est la bouteille qui nous a attiré. C'est côté des roses et en fait c'est la bouteille, le cul est en forme de, je sais pas si vous allez voir, il est en forme de rose et c'est un bouchon en verre aussi. Ah, mais celle-là, la bouteille, franchement elle est jolie aussi. Alors c'est des bouteilles que je vais garder pour me servir après en carafe, mais je vais en avoir je sais pas combien après. On a repris des ampoules aussi parce que il y a l'ampoule de la l'entrée qui a cassé. On a pris du jambon pour demain. Le jambon était en promotion à Auchan. J'y ai à Greg et j'y fais attention parce qu'à chaque fois que le jambon est en promotion, à chaque fois ils nous font des tranches épaisses comme une brique, histoire qu'on a bien le kilo quoi en fait. Alors il demande à la bouchère en fait de couper des fines tranches. Elle lui a quand même fait des briques. On a demandé 10 tranches de jambon, c'est ça? Et on a 1 kilo de jambon. Alors on lui demande des fines tranches, elle en a pas fait. Bref, on a pris ça et puis de l'emmental, c'est pour demain. J'ai repris du vinaigre parce que j'en avais plus, du mire-vaisselle, l'huile de saumon pour Marley, les soupes pour Luna parce qu'elle n'avait plus. On a repris du beurre aussi, du beurre demi-sel. Voilà, un petit peu. Ah, et j'ai pris des spatzels. Faudrait que j'achète la râpe. J'ai vu sur Amazon qui la faisait pour pouvoir les faire maison parce que j'ai du mal à en trouver. Et puis franchement, c'est assez cher pour ce que c'est quoi en fait. Surtout qu'à la maison, je pense que ça reviendrait pas très cher en fait de les faire maison. On aime bien en fait. On les fait, et puis ça va vite quoi en fait à faire. Donc voilà, faut que je teste les faire maison. Il y en avait une de vous qui les faisait maison et qui m'avait dit ouais, c'est super simple. Faut juste avoir la râpe spéciale en fait. Ça fait une râpe avec de la pâte qu'on fait couler en fait petit à petit, comme des gouttes en fait dans un truc d'eau quoi en fait. Donc voilà, un petit peu pour les petites courses. Et on a repris aussi, oui, les granulés pour Blue. On a un lapin qui est super difficile et les seuls granulés qu'il mange, c'est ceux-là. Les tout simples. Et on a du mal à les trouver. On les trouve à Auchan, mais à Famille Flora aussi. Mais souvent, c'est des mélanges pour lapin nain, en fait, avec plein de mélanges dedans, plein de petites graines dedans et tout. Et nous, il ne mange que ceux-là, il fait le tri. Donc du coup, on prend ceux-là pour éviter qu'il nous fasse le tri. Bon, allez. Je vais reprendre ma communication avec Kim. On va manger. Donc du coup, pour la salade de poivrons, j'ai juste fait recuire un peu les poivrons, une petite dizaine de minutes, en fait, juste pour les décongeler, parce qu'ils étaient congelés. Je les ai coupés en lamelles, de l'huile d'olive, vinaigre, un petit peu d'herbe, et puis deux oignons rouges. On aurait pu rajouter de la feta, mais comme il n'y a que moi et Greg qui ont mangé, ça ira très bien comme ça. Donc, salade de poivrons, des saucisses merguez et des saucisses aux herbes aussi, du rib et puis les petites roustilles. On a fini de manger. Oui, je vais en manger une après. Greg me demandait si je voulais une glace, mais je vais d'abord aller me doucher. Je vais essayer de relaver mes cheveux pour essayer de faire dégorger un tout petit peu ma couleur.
qu'elle soit moins foncée. Et surtout aussi parce que j'ai déjà remarqué à chaque fois, quand je viens de faire une couleur, je tâche à chaque fois mon oreiller la nuit. En fait, la couleur se dégorge en fait sur dessus, en fait, ça fait des traces. C'est comme quand je mets de l'auto-bronzant, c'est la même chose. Alors à chaque fois, j'hésite à en remettre parce que ça laisse des marques sur mes draps. Alors moi, en plus, c'est des draps clairs, c'est des draps blancs, donc ça se voit fort. Allez, même sur mes habits, hein, j'ai remarqué quand je mets une robe blanche ou quoi, alors que je viens de mettre de l'auto-bronzant, ça fait comme des traces de fond de teint en fait dessus. Ça s'en va au lavage, hein, mais voilà, ça fait pas très propre quoi. Bon, comme je vous ai dit, on a fini de manger. Je vais aller prendre une douche, essayer de laver mes cheveux pour la faire éclaircir un tout petit peu. S'il faut, je les relaverai encore demain. Alors j'ai hésité dans le rayon à Auchan, j'ai regardé les couleurs et j'ai hésité à me refaire une couleur ou pas. Je sais que là c'est parce qu'elle va s'éclaircir et que ça va aller. En fait, enfin, je vous montrerai demain, mais ça va au niveau de la couleur, hein, ça se rapproche, mais les racines sont un tout petit peu plus foncées que les pointes. Bon, après dans le temps, dans la normalité, les pointes sont toujours plus claires que les racines, mais voilà. On verra bien. Au pire, moi, je le mettrai pas quoi, en fait, si je vois que ça fait trop bizarre. Mais je pense que ça devrait le faire. J'ai mis la télé à fond. Allez, une douche, un lavage de cheveux et un gros dodo. Et comme je vous ai dit, dimanche, du coup, pas de vlog. Donc, je sais plus quand pour vous. Je pense que je vous l'ai dit hier. On se revoit du coup lundi. Ça sera plus simple pour moi. Là, je vais vous filmer, hein. Je vais vous filmer demain et dimanche. Mais je ferai un condensé des deux et je vous le mettrai en ligne. Ça doit être mardi, je pense. Parce que, oui, dimanche, ouais, à chaque fois, c'est un jour de décalage. Donc, je pense que je le mettrai mardi. Allez, je fais des bisous et je vous dis. Mais vous aurez un vlog de lundi, puisqu'en fait, celui d'aujourd'hui sera lundi. Bref, je suis peut-être en train de m'embrouiller un petit peu. Mais bon. Allez, je vous fais des bisous. Je vais essayer d'aller dormir tôt. Essayez. Il fait plus frais là aujourd'hui. Donc du coup, ça devrait aller. On devrait mieux dormir. Même dans les maisons, ça c'est... ouais, il fait beaucoup plus frais. Tout à l'heure, Greg avait froid. Je pense que c'était la fatigue. Même lui, j'aimerais bien qu'il dorme tôt parce que je sais qu'il va être réveillé tôt et demain, il va pas pouvoir faire la sieste, hein. Et j'ai envie qu'ils tiennent demain soir. On dirait que je parle d'un gosse. Allez, bisous, à demain. Gonna stay.